Ça fait 4 mois qu'on y travaille. On a pris notre temps, on a fait beaucoup de plongées dans la zone des 80 mètres, puis des 90 mètres, dans tout un tas de configurations différentes pour apprendre, pour prendre le temps. Le fait d'aller à 100 mètres, c'est plus finalement la progression qu'on a eue, qui était assez intéressante et qui était assez sympa là, avec Ilin, là, de se faire ça ensemble. C'est un travail d'équipe et voilà, on y est arrivé sagement, en temps et en heure, et dans la bonne humeur. Donc c'est super. Alors, ça donne quoi là-haut? Devant là, en haut, côté canadien, là, et ça a l'air d'être de la glace un peu comme on a autour de nous, là, un peu plus loin, mais pas de la banquise, mais après c'est tellement blanc. Et... Ouais, bah, de toute façon, c'est encore loin, hein, le Canada c'est 40 000, donc à mon avis, on fait du nord-ouest et en longeant la banquise comme on peut, et puis on verra en avançant comment ça évolue. Hein. On se trouve dans le détroit de Nares, qu'on longeait en fait côté Groenland. Là, on prenait la direction du glacier de Humboldt et on vient de se faire un peu arrêter par la banquise et la glace. Là, on a repris direction Ellesmere, donc au Canada, et on va voir si on peut remonter de nouveau vers le nord ou s'il faut arrêter là notre progression et maintenant continuer vers Ellesmere et redescendre à partir de là. On est à un poil plus que 80 degrés de latitude nord, côté canadien. On a franchi la frontière tout à l'heure et en fait dans notre navigation, on s'est fait bloquer par la banquise, on a fait demi-tour, viré côté Ellesmere et en cours de chemin on a rencontré une super plaque de banquise qui vient de l'océan. On va aller la saluer, on va aller voir à quoi elle ressemble. Et puis pour moi c'est aussi un clin d'œil à la première expédition parce que c'est un petit peu des retrouvailles d'une certaine manière. Voilà. Et ça fait plaisir. Ça c'est un canard qui vient de son papa. Hein. Pour se replacer, ouais. Tu me le diras. Et... Tu vas aller dans la piscine avec moi? Yes. En fait, c'est là que ça se passe. Bah ouais, là, c'est top. On va faire de l'eau sur le glacier parce qu'on n'a pas trouvé de source à terre. On va boire de l'eau de glacier.
cet après-midi, on est venu se balader un petit peu sur le glacier pour voir un petit peu les eaux de fonte, en plein été, voir un petit peu comment ça fonctionne sur le glacier et dans le glacier. Donc en fait, avec le soleil, la neige à la surface du glacier fond, ça fait des petites rivières, des torrents en fait sur la surface du glacier qu'on appelle des bédières. Bon, on commence par faire des petits rappels pour essayer de comprendre un peu comment les eaux qui s'accumulent ici sous forme de précipitation, sous forme de neige, retournent à la mer par l'intermédiaire de ces torrents. Là, sur la glace, il y a un ours. Il y a un ours blanc. Alors, on est trop loin pour que tu puisses le voir, mais on va essayer de se rapprocher, d'accord? Mmh, ouais. Ok. Ouais. Ça m'amuse beaucoup ça.